Salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve aujourd'hui le 6 juillet 2021 pour vous présenter ce que vous voyez derrière en boucle Hammer Helm. C'est un jeu qui est sorti toutefois le 27 juillet 2017, mais attention, en version alpha, puis après en bêta, et il est aujourd'hui en accès anticipé. Et les développeurs sont très à l'écoute des remontées qu'on leur fait si on rencontre des bugs ou autres, et ça fait plaisir. Et ils continuent à le développer, il est mis à jour régulièrement, il y a des ajouts qui sont faits et les propositions des joueurs sont écoutées. Donc ça aussi c'est un bon point pour eux. Vous pouvez le trouver en ce moment pendant la période des promos sur Steam. Bon, vous me direz, c'est quoi ce jeu? Eh bien c'est un mélange entre un jeu d'aventure à la troisième personne, un jeu de stratégie en construction de ville, mais pas que, c'est aussi un RPG. L'histoire, c'est banni par votre peuple. Pour avoir cru que les nains peuvent vivre en surface, vous allez devoir faire vos preuves en bâtissant une ville afin d'attirer d'autres nains partageant votre vision. Assurez leur sécurité ainsi que leur bonheur via des quêtes principales et secondaires, en fabriquant des objets, en repoussant les ennemis, et en développant votre ville. Mais attention, plus vous allez agrandir votre ville, plus vous allez rajouter des bâtiments, plus vous allez recruter, plus l'aventure va devenir épique et complexe. Et oui, ça va pas être si facile que ça, vous fiez pas au graphisme qui ont l'air gentillés du tout. Moi j'ai plus de 10 heures de jeu sur Twitch en ce moment, je le présente sur Twitch. J'ai plus de 10 heures de jeu, je peux vous assurer que je suis loin d'avoir fini. Au niveau du jeu, vous avez plus de 45 structures de bund, de l'exploration afin de trouver des ressources, des choses que vous ne trouverez pas autrement. Vous avez des donjons, vous avez des grottes, vous avez des mines à découvrir. Il y a énormément de choses à faire et beaucoup de potentiel. Vous avez plus de 100 objets, alors des armes, des armures, vous avez différents minerais, vous allez avoir commencé par le fer, par le cuivre, puis le fer, etc. etc. Sachant qu'à chaque fois que vous allez débloquer un nouveau minerai, ça va impacter dans l'histoire en la compliquant. Vous allez rencontrer des monstres beaucoup plus, ou des boss beaucoup plus compliqués à tuer. Les petits bonhommes que vous aurez eu au début à combattre, que ce soit des rats, que ce soit des champignons, que ce soit des choses comme ça, au début, ils sont un petit peu durs, mais bon, on s'en sort. Mais plus vous allez construire, plus vous allez bâtir, plus vous allez avancer au niveau du jeu, plus les mobs vont être un peu de plus en plus durs à tuer, parce que leur barre de vie augmente, et vous allez rencontrer des adversaires de plus en plus durs à tuer. Donc il va falloir vous faire des nouvelles armes, des nouvelles armures, et tout ça bien sûr en faisant attention, car vous avez un arbre de compétences aussi pour votre héros. Cet arbre de compétences va vous servir à mettre des points que vous allez gagner, non pas avec un level, pour une fois ça change, mais à chaque fois vous allez améliorer votre ville, que ce soit en posant des bâtiments, que ce soit en posant des décorations, que ce soit en décorant vos maisons, votre maison, puisque c'est la seule que vous pouvez décorer. Dans le village, vous allez poser une maison de nains, et à chaque fois que vous posez une maison, vous allez avoir deux nains qui vont vous être présentés. Faites attention à cela quand ils arrivent, parce que pourquoi? Ils ont tous des compétences et des traits de caractère. Ça vous rappelle d'autres jeux? Moi aussi. Donc voilà, faites attention avant de recruter vos nains, lisez bien les caractéristiques. Il y en a qui sont ivrognes, il y en a qui sont feignants, il y en a qui sont paresseux. Ça va impacter sur les postes où vous allez les mettre. Donc faites attention à tout ça. Vous allez avoir bien sûr des combats et énormément de choses à faire. C'est une histoire qui gère tout en fait, qui gère absolument tout. Donc le jeu n'est pas simple, ne vous fiez pas, je vous le redis, au graphisme que vous voyez, parce que ça n'a rien à voir. Les nains qui nous rejoindront, comme je vous le disais, ont des compétences particulières, portez-y une grande attention, ça c'est très important, parce que si vous prenez un ivrogne et que vous le mettez à la taverne, évidemment il va vous siffler toute la bière et il n'y en aura plus, ce qui va jouer sur l'humeur de vos autres nains, parce que oui, tout ça est mêlé. Ça rappelle énormément de jeux qu'on a vus récemment, mais là franchement, moi je le trouve très 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 sympa. L'histoire se complique à partir du moment où vous agrandissez votre ville, vous aurez de nouveaux donjons, des ennemis plus durs à tuer, tout cela pour vous dire que je vous conseille ce jeu que je fais actuellement sur ma chaîne Twitch.
J'ai plus de, honnêtement, de 10 heures de jeu dessus et je suis loin, mais loin d'avoir fini. Sachant que à chaque fois que vous allez découvrir un minerai, ça va compliquer l'affaire. Vous avez des quêtes principales, des quêtes secondaires. Comme d'habitude, les quêtes secondaires sont un petit peu répétitives, mais les quêtes principales sont vraiment intéressantes. Je ne vais pas vous spoil dessus. Si vous me suivez sur Twitch, vous avez vu un petit peu ce qui m'est arrivé. On a bien rigolé là-dessus. Mais voilà, vous allez avoir plein de choses épiques. Vous avez beaucoup d'ennemis, vous avez des orques, etc. C'est assez sympa en général, donc je vous le conseille. Vous avez toutes les images derrière moi qui défilent en boucle, c'est le trailer officiel du jeu. Et si vous souhaitez en voir un peu plus, ben écoutez, en fonction des remontées que j'ai, de vos commentaires, des pouces en l'air, etc., eh bien, ce que je pourrais vous proposer, c'est peut-être de faire un let's play dessus pour que vous en voyez un petit peu plus, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, et le plus simple, je pense, serait que effectivement, s'il y a assez de vues et assez de remontées, je vous fasse un let's play dessus et vous montrant toutes les fonctionnalités et tout ce qu'on peut faire dans ce magnifique jeu qui est Hammerhell. Surtout, je vous fais des gros bisous, j'attends vos retours et on se retrouve très vite pour une prochaine découverte, pour la suite des let's play. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Allez, bye bye.
Salut tout le monde, c'est Chirel. On se retrouve aujourd'hui le 6 juillet 2021 pour vous présenter ce que vous voyez derrière en boucle Hammer Helm. C'est un jeu qui est sorti toutefois le 27 juillet 2017, mais attention, en version alpha, puis après en bêta, et il est aujourd'hui en accès anticipé. Et les développeurs sont très à l'écoute des remontées qu'on leur fait si on rencontre des bugs ou autres, et ça fait plaisir. Et ils continuent à le développer, il est mis à jour régulièrement, il y a des ajouts qui sont faits et les propositions des joueurs sont écoutées. Donc ça aussi c'est un bon point pour eux. Vous pouvez le trouver en ce moment pendant la période des promos sur Steam. Bon, vous me direz, c'est quoi ce jeu? Eh bien c'est un mélange entre un jeu d'aventure à la troisième personne, un jeu de stratégie en construction de ville, mais pas que, c'est aussi un RPG. L'histoire, c'est banni par votre peuple. Pour avoir cru que les nains peuvent vivre en surface, vous allez devoir faire vos preuves en bâtissant une ville afin d'attirer d'autres nains partageant votre vision. Assurez leur sécurité ainsi que leur bonheur via des quêtes principales et secondaires, en fabriquant des objets, en repoussant les ennemis, et en développant votre ville. Mais attention, plus vous allez agrandir votre ville, plus vous allez rajouter des bâtiments, plus vous allez recruter, plus l'aventure va devenir épique et complexe. Et oui, ça va pas être si facile que ça, vous fiez pas au graphisme qui ont l'air gentillés du tout. Moi j'ai plus de 10 heures de jeu sur Twitch en ce moment, je le présente sur Twitch. J'ai plus de 10 heures de jeu, je peux vous assurer que je suis loin d'avoir fini. Au niveau du jeu, vous avez plus de 45 structures de build, de l'exploration afin de trouver des ressources, des choses que vous ne trouverez pas autrement. Vous avez des donjons, vous avez des grottes, vous avez des mines à découvrir. Il y a énormément de choses à faire et beaucoup de potentiel. Vous avez plus de 100 objets, alors des armes, des armures. Vous avez différents minerais, vous allez avoir commencé par le fer, par le cuivre, puis le fer, etc., etc. Sachant qu'à chaque fois que vous allez débloquer un nouveau minerai, ça va impacter dans l'histoire en la compliquant. Vous allez rencontrer des monstres beaucoup plus, ou des boss beaucoup plus compliqués à tuer. Les petits bonhommes que vous aurez eu au début à combattre, que ce soit des rats, que ce soit des champignons, que ce soit des choses comme ça, au début, ils sont un petit peu durs, mais bon, on s'en sort. Mais plus vous allez construire, plus vous allez bâtir, plus vous allez avancer au niveau du jeu, plus les mobs vont être un peu de plus en plus durs à tuer, parce que leur barre de vie augmente, et vous allez rencontrer des adversaires de plus en plus durs à tuer. Donc il va falloir vous faire des nouvelles armes, des nouvelles armures, et tout ça bien sûr en faisant attention, car vous avez un arbre de compétences aussi pour votre héros. Cet arbre de compétences va vous servir à mettre des points que vous allez gagner, non pas avec un level, pour une fois ça change, mais à chaque fois vous allez améliorer votre ville, que ce soit en posant des bâtiments, que ce soit en posant des décorations, que ce soit en décorant vos maisons, votre maison, puisque c'est la seule que vous pouvez décorer. Dans le village, vous allez poser une maison de nains, et à chaque fois que vous posez une maison, vous allez avoir deux nains qui vont vous être présentés. Faites attention à cela quand ils arrivent, parce que pourquoi? Ils ont tous des compétences et des traits de caractère. Ça vous rappelle d'autres jeux? Moi aussi. Donc voilà, faites attention avant de recruter vos nains, lisez bien les caractéristiques. Il y en a qui sont ivrognes, il y en a qui sont feignants, il y en a qui sont paresseux. Ça va impacter sur les postes que vous allez les mettre. Donc faites attention à tout ça. Vous allez avoir bien sûr des combats et énormément de choses à faire. C'est une histoire qui gère tout en fait, qui gère absolument tout. Donc le jeu n'est pas simple. Ne vous fiez pas, je vous le redis, au graphisme que vous voyez, parce que ça n'a rien à voir. Les nains qui nous rejoindront, comme je vous le disais, ont des compétences particulières. Portez-y une grande attention, ça c'est très important. Si vous prenez un ivrogne et que vous le mettez à la taverne, évidemment il va vous siffler toute la bière et il n'y en aura plus, ce qui va jouer sur l'humeur de vos autres nains, parce que oui, tout ça est mêlé. Ça rappelle énormément de jeux qu'on a vu récemment, mais là franchement moi je le trouve très 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 sympa. L'histoire se complique à partir du moment où vous agrandissez votre ville. Vous aurez de nouveaux donjons, des ennemis plus durs à tuer. Tout cela pour vous dire que je vous conseille ce jeu que je fais actuellement sur ma chaîne Twitch.
J'ai plus de, honnêtement, de 10 heures de jeu dessus et je suis loin, mais loin d'avoir fini. Sachant que à chaque fois que vous allez découvrir un minerai, ça va compliquer l'affaire. Vous avez des quêtes principales, des quêtes secondaires. Comme d'habitude, les quêtes secondaires sont un petit peu répétitives, mais les quêtes principales sont vraiment intéressantes. Je ne vais pas vous spoil dessus. Si vous me suivez sur Twitch, vous avez vu un petit peu ce qui m'est arrivé. On a bien rigolé là-dessus. Mais voilà, vous allez avoir plein de choses épiques, vous avez beaucoup d'ennemis, vous avez des orques, etc. C'est assez sympa en général, donc je vous le conseille. Vous avez toutes les images derrière moi qui défilent en boucle, c'est le trailer officiel du jeu. Et si vous souhaitez en voir un peu plus, ben écoutez, en fonction des remontées que j'ai, de vos commentaires, des pouces en l'air, etc. Eh bien, ce que je pourrais vous proposer, c'est peut-être de faire un let's play dessus pour que vous en voyez un petit peu plus. Parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Et le plus simple, je pense, serait que, effectivement, s'il y a assez de vues et assez de remontées, je vous fasse un let's play dessus. Et vous montrant toutes les fonctionnalités et tout ce qu'on peut faire dans ce magnifique jeu qui est Hammerhell. Surtout, je vous fais des gros bisous, j'attends vos retours et on se retrouve très vite pour une prochaine découverte, pour la suite des let's play. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Allez, bye bye.